Simulator, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Euro Truck Simulator 2 et peut-être qu'on va finir aujourd'hui, mais ça m'étonnerait, il reste encore 800 km je crois. Donc excusez-moi encore d'avoir quitté un peu sauvagement la partie la dernière fois, c'est juste que dans la partie il y a du monde qui était rentré et voilà. Emmerder tout le monde en parlant un peu tout seul on va dire. Donc c'est pour ça que je me suis arrêté un peu sauvagement on va dire, parce que je savais pas quand c'est que ces personnes là allaient rentrer. Et donc voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous plaira. Donc ce sera peut-être la dernière ou l'avant-dernière. Donc voilà, par rapport à la dernière fois, en gros on s'est laissé à peu près ici. En gros la seule différence c'est que moi j'étais sur le bord de la route. En gros là où on va passer là. Et puis en gros je suis revenu sur le parking. Donc on va aller jusqu'à... On va essayer d'aller jusqu'en Angleterre hein, à peu près et on verra après où c'est qu'on peut aller. On verra bien. Cool, voilà. Donc on va reprendre la route. Hein. J'ai fait ma petite sieste pendant ce temps. Donc voilà. J'espère... excuse-moi. J'espère que cette vidéo va vous plaire comme les prochaines. Devrait arriver. Donc là on est au Luxembourg, on va pas totalement comprendre mais bon c'est pas grave, on va au Luxembourg, là on passe par le Luxembourg, donc on va voir où on en est parce que c'est vrai que c'est un peu ballot de voir, de pas voir où on en est. Donc la souris est par là, ok, on va prendre la souris, ouais en gros on est à mi-chemin, ouais on a plus de mi-chemin quand même. Donc on va reprendre, okay. Alors, on mettra en place. Donc voilà, après moi j'espère que ça vous plaît, parce que c'est vrai que j'ai vu qu'il y avait quelques vues, j'en ai pas beaucoup mais j'en ai quelques-unes et ça me fait plaisir. Donc on va aller là parce que moi je veux pas sortir pour aller au Luxembourg. Donc voilà, après moi franchement ça me plaît bien de faire ces vidéos, c'est comme ça. En gros c'est plus intéressant que de faire des vidéos tout seul, juste quand je joue. Non, comment dire. En gros, je trouve ça plus sympa que de faire de juste jouer comme ça. Voilà, en gros, ça fait une animation en plus. Aussi, on fait un peu plus de conneries. C'est là, je suis normal, hein. Mais bon, alors, là, je veux dire que c'est un peu, on va dire, une normalité de pouvoir améliorer certaines choses. C'est vrai qu'au début je pensais qu'à chaque fois que j'irais dans une ville, mais bon c'est vrai que ça fait un peu beaucoup, de changer comment dire, de camion, en gros, chaque semaine changer de camion. Mais bon c'est vrai que ça fait encore un peu plus de boulot, on va dire, parce que faudrait que je m'arrête dans chaque ville, ou presque, pour aller chercher des camions, aller chercher 2-3 autres trucs pour pouvoir mettre mes camions et tout. Donc je trouvais ça un peu stupide. Et c'est vrai que dans le fond, voilà, je trouvais ça un peu stupide. Et c'est pour ça que j'ai pas continué, que je me suis resté juste à faire la traversée de l'Europe. Et voilà pourquoi je suis juste en train de traverser un peu à la traîne, on va dire. Parce que là, on peut pas dire que je sois à l'heure, hein, parce que je devais finir ça pour Noël. Et c'est vrai qu'il me reste encore presque 700 km. Pas contre moi, mais c'est vrai que voilà. Donc c'est fait que les enfants qui attendaient les jouets, ah bah là ils sont un peu déçus. Mais bon, c'est un peu dommage parce que voilà, moi je m'attendais aussi à ce que ça aille un peu plus vite. Surtout que j'avais pas mis le régulateur, là je l'ai remis. Donc ce qui fait que normalement je devrais être un peu plus stable. Donc moins d'accidents, parce que là c'est même pas sûr que je gagne de l'argent quand même. Le truc vaut 118 000 euros de convoi et je vais peut-être même pas gagner d'argent, donc on verra bien ce que ça donnera. Donc là on va passer en Belgique je crois, ouais, on va passer du Luxembourg en Belgique. Mais je crois qu'il y a un souci là,
pour aller à Calais, il me fait passer pas. Ouais. Tu vois pas où c'est qu'il y a de l'intérêt à passer comme ça. Donc voilà. Bon, je sais que mon jeu est pas terrible. Enfin, pas mon jeu, mon PC est pas terrible parce que, comme vous voyez, il y a pas mal de lag. Sinon, c'est vrai que ce jeu est plutôt pas mal. C'est vrai que quand je suis en hors vidéo, il rame pas trop, on va dire. Mais bon, souvent, je suis en vidéo avec, donc. Avec. Quand j'aurai un nouveau PC, ça passera. Donc là, bon, comme vous voyez, j'ai plus de bonnes. Et j'ai pas beaucoup de cheveux non plus. C'est un peu ce qui me manque, on va dire, des cheveux. Ben, avant ça me manquait pas parce que j'en avais un peu. Et puis voilà. En gros, avec l'âge, le stress et tout le bazar, les cheveux sont tombés. Presque tout seul, hein, je peux vous dire. Mais bon, on va se dire qu'on n'a pas. Ça manque pas, on va dire. Pas plus que ça. En fait. C'est pas essentiel d'avoir des cheveux. On peut bien vivre sans. Voilà. Donc là, on va essayer au moins d'aller jusqu'en Angleterre. On va essayer de faire 2-3 épisodes au total pour cette semaine. Parce que là, j'ai vraiment envie de finir le 3 janvier, qui est un jour pour moi un peu spécial. Enfin, un peu. Seulement un peu, parce que c'est vrai que c'est pas non plus extraordinaire. Hein. Mais c'est déjà ça. C'est un jour que pour tous ceux qui sont de début janvier seront un peu on va dire concernés. Donc voilà, je tous les Capricornes, ou presque, si vous le voyez, on peut considérer tous les Capricornes dans ce panier là que je viens de dire. C'est vrai que moi je parle par rapport à moi, je trouve ça assez sympathique et tout, mais bon, on va dire voilà. Et c'est vrai que voilà, cette année je vais pas y gâter pour mon anniversaire. Donc jamais, bon. Bah si, étant gosse, oui, un petit peu, on dit, comme tout le monde, ou presque. Mais j'ai pas été pour y gâter. Donc voilà. Donc j'espère que cette vidéo va vous plaire. Bon là j'essaye de pas côté un peu parce que c'est vrai que. Pardon. Parce que j'espère un peu que ça. Là, en fait, en gros, je m'emmerde. Non, à rien faire. Donc, je préfère faire des vidéos plutôt que m'emmerder. C'est vrai qu'après, j'ai vu que Pierre clairement. Voilà. Moi, j'ai envie de continuer parce que je trouve ça sympathique. Ça m'occupe en même temps. J'apprends des trucs aussi. J'apprends des trucs tout le temps. J'apprends souvent. Des trucs, par exemple, quand je veux faire une nouveauté sur mes vidéos, je vais chercher pour apprendre comment faut faire. Par exemple, ça, tout ce que j'ai cherché, toutes les nouveautés ou presque apportées sur ma chaîne, sur mes vidéos, sur tout ce que vous pouvez voir dans sur ma chaîne, c'est vraiment tout sorti de YouTube. Comment dire, ouais, c'est en gros tout ce qui sort, tout ce que vous voyez là, je me suis tout inspiré de YouTube, j'ai tout fait, j'ai tout appris par YouTube. En gros, c'est YouTube qui m'a appris à faire du YouTube. C'est vraiment important de le signaler, c'est que en gros, tu regardes des vidéos sur YouTube, tu peux tout apprendre. C'est limite sur YouTube, tu pourrais pas. Tu pourrais presque passer ton permis sur YouTube. C'est tellement énorme que ça en devient mais réaliste quoi. Je vous dis, c'est pour moi c'est ça. YouTube, c'est une véritable source d'apprentissage. Pour tout. On peut vraiment trouver pas mal de choses. Par exemple, une fois, je savais pas comment. Par exemple, voilà, vous savez, je suis mécano et tout. Je savais pas comment aimanter. Mes outils qui n'étaient pas inventés bien sûr. Et ben après j'ai appris comment fallait faire, j'ai regardé des vidéos, voilà, c'est tout. J'ai pas fait grand chose, c'était pas extraordinaire, mais j'ai appris quelque chose, voilà, en fait comme ça, voilà. Après il y a 2-3 petits autres trucs que j'ai appris aussi sur YouTube, mais généralement
On va dire que c'est souvent des trucs liés à l'informatique. Et j'ai appris beaucoup de trucs liés à l'informatique. Un peu aussi qu'est-ce qui était bien pour faire des montages vidéo. Je sais qu'il y a deux logiciels qui sont très très importants pour faire du montage vidéo. Je me sers plus de l'un que de l'autre parce que l'autre est très... Il est comment dire, les vidéos qu'il fait sont très lourdes. Et pour faire un montage... pour faire un montage, il faut avoir soit un PC mais hors du commun, à faire un montage, on va dire, assez rapide et fluide, parce que franchement, même avec le logiciel que j'utilise. Donc, que vous connaissez peut-être certainement, même pour ceux qui sont youtubeurs aussi, c'est Sony Vegas. Sony Vegas, c'est pour moi un logiciel qui est très... il a beaucoup de possibilités, on peut faire beaucoup de choses avec, mais demande déjà beaucoup de ressources, donc il faut avoir un sacré PC pour le faire tourner, pour pouvoir faire des rendus rapides et jolis, parce que il y a ça aussi qui compte. Mais sinon, il a beaucoup de points positifs. On peut faire vraiment des trucs énormes qu'on peut aussi faire, par exemple sur celui que j'utilise, qui est Camtasia Studio, qui est très bien aussi, hein. Il y a un peu moins de, on peut faire un peu moins de trucs avec des petites précisions, tout ça. Et il est un peu plus, je sais pas comment le dire, comment le décrire. Et voilà, en gros, mais Camtasia, par contre, il fait des vidéos d'aussi bonne, il fait des rendus d'aussi bonne qualité que Sony Vegas, à peu près, en un temps, on va dire, plus restreint. À dire que pour du Sony Vegas, je mets presque une demi-journée pour faire un rendu sur une vidéo de Road Track. Alors que sur Camtasia, je mets maximum 3 heures. C'est vrai que ça me fait un peu chier parce que c'est une vidéo qui doit durer 3 quarts d'heure. Tu passes 3 heures à faire une vidéo de 3 quarts d'heure, ouais. On est obligé de faire avec, hein. Moi, je suis pas emmerdeur, mais bon, je fais avec les moyens du bord. Quand j'aurai un nouveau PC, je mettrai peut-être que 3 quarts d'heure pour faire une vidéo de 3 quarts d'heure. Ben, 3 quarts d'heure. Je parle en montage et rendu, hein. Je parle pas en tournage et tout, parce que si tu tournes 3 quarts d'heure, une vidéo de 3 quarts d'heure avec le montage... le fait de tourner ta vidéo et tout, bah, t'es un champion, hein. Franchement, pour tourner un 3 quarts d'heure une vidéo de 3 quarts d'heure, faut faire fort. Ouais, pour monter la vidéo en 3 quarts d'heure, ce serait déjà pas mal. Il y a des vidéos que j'arrive à mettre en 3 quarts d'heure, à faire en 3 quarts d'heure, mais bon, c'est des petites vidéos de 15 minutes, des petites vidéos. C'est vraiment encore des fois, si c'est pas une heure et demie, hein, parce que des fois après, je sais pas, des fois il y a mon PC qui tourne bien, qui tourne moins bien, voilà. Il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte, mais surtout c'est vraiment ça qui me fait un peu chier, c'est que mon PC, je pense, ne tient pas bien, il tient mieux Camtasia que Sony Vegas, hein. Que si j'utilise Sony Vegas, c'est foutu, hein. Je peux même pas utiliser mon ordinateur, hein. Bien, en plus, le truc, c'est que je peux pas faire un rendu et utiliser mon ordinateur à côté. Non, c'est je fais mon rendu, je laisse mon ordinateur à côté. J'ai de la chance parce que j'en ai un deuxième, mais je m'en sers pas, donc ça va. Donc voilà, on va dire que si j'ai pas mon ordi pendant quelques heures, je m'en passe. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà, je trouve ça un peu énorme quand même de devoir passer 3 heures pour faire un rendu d'une vidéo qui dure une demi-heure, 3 quarts d'heure. En gros, ça fait 3 fois plus, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? En gros, on passe 3 heures pour faire une vidéo de 3 quarts d'heure. En gros, c'est une minute, pas... c'est... ça fait un quart d'heure pour... 20 minutes pour un quart d'heure de vidéo. Une demi-heure pour un quart d'heure de vidéo. Non, c'est une heure par quart d'heure de vidéo.
Donc je vous dis clairement, c'est vrai que moi j'adore ce jeu, j'adore faire des vidéos. Bon, ça me prend un peu de temps, je vous le dis. Mais bon, on va dire que ça peut passer. C'est pas non plus extraordinaire. On va dire, parce que ce que je joue hors des jeux, on va dire, c'est vraiment pas super intéressant non plus. Mais c'est quand même un minimum intéressant. Donc voilà, c'est vrai qu'après moi mes rendus, c'est vrai que je les maîtrise un peu. J'arrive à mettre des trucs assez sympathiques, assez fins, assez bien rendus et tout. Donc voilà, c'est vrai que pour moi, YouTube a vraiment changé pas mal de choses. Donc je sais pas en plus quand c'est que je vais publier cette vidéo. Parce que CSP, je vais la publier le premier. Non, le 2. Donc là, je vous souhaite, si je la publie le 2, une bonne année. Bien sûr, parce que ça... Si on est le premier ou le 2, je vais pas faire semblant de pas vous le souhaiter. Parce que c'est vrai que c'est un peu stupide. Hein. Je vous souhaite une bonne année. Hein. Beaucoup de bonheur. Une bonne santé aussi, c'est primordial même. Une bonne santé. Et de pouvoir continuer 2015... pour certains, parce que franchement de pouvoir continuer 2015 comme c'est terminé 2014 pour ceux pour qui c'est bien passé 2014 bien sûr, hein, quelque chose qui n'est pas vraiment le cas pour moi, en tout cas à mon point de vue c'est pas vraiment le cas, j'ai pas vraiment passé une bonne année 2014, donc c'est pour ça que je dis pour ceux à qui c'est le cas. Donc par contre ceux qui ont eu une année 2014 de merde, vraiment de merde, vous avez été malade toute l'année ou presque, hein. Vous avez eu des accidents, vous avez eu... Bon, ceux qui ont de la poisse, c'est vrai, c'est de la poisse. Rien n'y fait. Ah, putain de moteur de merde. Donc voilà. Donc voilà, encore aussi, excusez-moi pour vous avoir, on va dire, raccroché au nez hier. Coupé au nez, on va dire. Parce que c'est vrai que pour moi, c'est vraiment... en fait, en gros, j'habite encore chez mes parents et c'est... j'en ai dans ma famille, voilà, qui me soutiennent pas forcément par rapport à ce que je fais. Et voilà, en gros, c'est un peu aussi ce qui me manque, on va dire, du soutien. Si on n'a pas de soutien de la part de sa famille, de qui on peut en avoir, c'est vrai que pour moi, c'est vraiment quelque chose qui me manque. Et donc, c'est vrai que j'aime, pas j'admire, mais j'aime le soutien de votre soutien, c'est clair, c'est, excusez-moi un peu de bégayer, mais en gros c'est vrai que de faire beaucoup de choses à la fois c'est un peu perturbant, ça fait un peu travailler le cerveau et tout, donc on va dire que c'est assez sympa, mais en même temps ça perturbe beaucoup. On en a 17 minutes, c'est pas vrai. Donc voilà, après moi je vous dis clairement, j'adore faire des vidéos. C'est vraiment pour moi le principal, on va dire, à tout, non, pas à tout, la principale activité, on va dire, en ce moment. Hein. J'ai eu d'autres activités, mais déjà, voilà, qui m'ont pas forcément plu, on va dire. Donc, on va... pourquoi 80 ? Bon, ok, je comprends pas pourquoi c'est 80, c'est pas grave. Donc donc voilà, on va continuer de toute façon pour l'année 2015. Je vais essayer de faire des trucs un peu plus comme ça, mais en facecam, on va dire, mais avec on va dire un peu plus de réalisme. Là je vais pas vous dévoiler ce que j'ai envie de faire, mais j'ai envie vraiment de vous faire partager certaines choses, certaines sensations qui pour moi sont les meilleures, certaines, je sais pas comment dire, mais vraiment des choses assez intéressantes à mon avis, à mon goût à moi. Après ce sera peut-être pas le vôtre, plus basé en fait sur une vraie vidéo, avec pour apporter une touche de réalisme en plus, de simulation en plus. Voilà, on va dire que c'est vraiment ce que je cherche et c'est vraiment ce
qui manque un peu sur mes vidéos. On va essayer d'aller un peu plus vers le réalisme et de continuer. Donc en fait, c'est que je ne sais pas vraiment ce que je veux. J'ai une idée dans la tête, mais elle n'est pas forcément juste, on va dire. Pour l'instant, c'est juste une idée, on va dire. Et elle est en voie de développement. Et c'est cette idée que j'ai dans la tête qui trotte. Et et que pour l'instant m'emmerde aussi. Donc mon camion est vachement défoncé. Donc voilà, après c'est vrai que moi j'adore, franchement, mais bah je vais pas. Ça m'occupe plutôt. C'est vrai que j'aime faire des vidéos sur YouTube. Parce que ça m'occupe. Voilà, ça me fait faire beaucoup de choses. Ça me fait travailler le cerveau. Ça me fait faire pas mal de choses. Et c'est ça que j'adore sur YouTube en fait. Et puis en même temps, en gros, ça m'occupe. Ça évite que je joue comme ça, comme un con. Juste sans parler, sans rien faire. Bon, c'est vrai qu'après, même hors vidéo, je commence à prendre des habitudes en gros de commander même en vidéo. Ah, c'est vrai que c'est un peu chiant des fois, mais bon. Après c'est pas plus chiant que ça pour moi. Voilà, je vais dire clairement, pour moi YouTube, bon, c'est pas non plus essentiel, mais on va dire que c'est déjà quelque chose qui est un minimum essentiel. Si t'as pas fait un minimum de YouTube, bah pas, je sais pas comment dire en fait. YouTube, c'est un peu comme... c'est vraiment, il y a beaucoup de choses. YouTube est bourré de contenu que on ne peut pas louper, on va dire. Parce que c'est vrai que, voilà, YouTube, pour moi, c'est vraiment une grande source d'inspiration. Une grande source d'apprentissage aussi, parce que c'est vrai que je vous dis tout ce que je fais devant vous. Est tiré de YouTube, bien tiré, on va dire. J'ai tout appris sur YouTube, à faire des montages, à faire à savoir quel logiciel faudrait que j'utilise pour aller vite et bien, parce que franchement Camtasia, pour moi c'est pas le meilleur. En gros, Sony Vegas et Camtasia ont tous les deux des défauts et des bonnes choses quoi. Mais Camtasia en gros a moins de fonctionnalités, et Sony Vegas a un rendu très long pour à peu près la même qualité, on va dire, et des vidéos qui sont quand même beaucoup plus lourdes, parce qu'on va dire que pour une vidéo en 720p à peu près de 10 minutes sur Sony Vegas, je vais passer 3 heures pour faire le rendu, et voilà. Et sur Camtasia, je passerai pour 10 minutes à faire une demi-heure, trois quarts d'heure. Je passerai une heure et demie à faire le rendu sur Sony Vegas, alors que je passerai que trois quarts d'heure sur Camtasia. Mais Camtasia, on peut pas faire, ben on peut faire quand même pas mal de choses sur un Camtasia. On peut faire par exemple le tourne. On peut faire des incrustations qui sont pas forcément jolies, comme vous voyez. Peut-être que quand j'aurai un PC un peu plus comment vous dire, un peu plus gamer, on va dire, un peu plus évolué, que j'aurai un bon gros PC qui on verra, qui rampe pas dans la choucroute comme là, en gros, où je pourrais vous tirer du 30 fps, des trucs comme ça. Peut-être que je passerai sur Sony Vegas, puisque Sony Vegas, c'est vrai qu'il a des plutôt bonnes fonctionnalités. Et puis aussi, c'est vrai que je peux vous dire que aussi avec le fond vert qui est là derrière, c'est pas top top non plus, on va dire. Ce que je veux dire par là, c'est que j'ai pas eu, en gros, derrière, normalement, c'est pas vert comme un vrai fond vert. Donc, c'est un peu pour ça aussi que bon, l'image est pas nette. Et puis aussi, c'est vrai qu'il y a la caméra aussi qui rentre en compte. Peut-être que cet après-midi, l'après-midi où je tourne la vidéo,
Je vais peut-être changer de caméra. Je sais pas, on verra un peu. Je sais pas encore. J'espère qu'il en reste une. Au moins une. Je suis pas sûr du tout. Franchement, j'espère sérieusement qu'il en reste une. Au moins une. Oh merde. Au moins une, parce que c'est vrai que j'en ai besoin d'une. Parce que comme vous le voyez là, c'est pixelisé, c'est tout moche, il y a des parties qui sont... Voilà. On va dire que je me débrouille, j'arrive à vous procurer du contenu, même si c'est pas super joli. Je préfère que ce soit pas super joli, mais que vous ayez du contenu plus intéressant. Mais en gros, voilà, c'est YouTube. Un YouTubeur, pour moi, c'est une constante évolution. C'est un peu comme... en gros, quand on arrive, c'est des œufs de tétard. Et puis, quand... on va dire quand t'en sors à peu près, t'es vraiment une gredouille, quoi. Voilà. C'est un peu... Là, c'est mon image, en gros. Là, c'est l'image de tout ce que vous voulez. Mais c'est à peu près l'image d'un YouTubeur de son début jusqu'au moment où il commence, on va dire, à être connu. À vraiment procurer un contenu de qualité et assez large, on va dire, qui peut attirer des gens plus larges, pas physiquement, mais d'esprit, plus minutieux peut-être aussi parfois, et plus voilà, on va dire un peu comme ça. Donc c'est vrai que pour moi YouTube c'est une constante évolution, à mon point de vue. Après, je pense que pour tout le monde, c'est bah, pour tous les youtubeurs en tout cas, pas les viewers, pas forcément les viewers, même si ouais, on va dire, mais ça, pas trop les viewers, mais plutôt les youtubeurs, ils sont plutôt en évolution. En gros, on évolue sans arrêt. C'est un peu comme les Pokémon aussi. Bon, c'est à peu près pareil. Voilà, YouTube pour moi c'est une évolution. Je vais passer pour apprendre. En gros, YouTube c'est vraiment le pied, c'est limite un lycée ou un apprentissage, vous voyez les choses. Mais YouTube pour moi c'est vraiment ouais, un apprentissage, une voilà, plus que à peu près une salle d'école, mais on va dire un peu différente quand même. On va dire, on peut s'inspirer de tout le monde et pouvoir procurer un contenu différent. Voilà, en gros, qui mixe tout ce que les autres vont mettre dans une certaine zone, dans certains... Voilà, vous voyez ce que je veux dire. Parce que franchement, c'est pas évident de pouvoir procurer un contenu qui soit non, on va dire, adopté par tous. Donc, j'essaye un peu de varier, de pouvoir élargir mon horizon. Et de pouvoir vraiment faire pas mal de choses. Donc là, peut-être que pendant un certain temps, je vais peut-être arrêter un peu les vidéos tests ou en prendre un let's play en plus, une petite carrière suivie, je sais pas comment dire, une vie suivie, parce que j'ai beaucoup de trucs qui arrivent en même temps et c'est vrai que j'arrive pas forcément à suivre. On va dire par exemple Car Mechanic Simulator ou comment ça s'appelle. Il y a vraiment pas mal de jeux que j'ai arrêté, on va dire, parce que Car Mechanic Simulator, en fait, il y a eu beaucoup de choses. C'est vrai qu'il a commencé à me gaver un peu. Pardon. Car Mechanic Simulator m'a gavé. Là, c'est vrai que j'ai envie de m'y remettre un peu, parce que j'ai vu certains youtubeurs qui s'étaient mis dessus et vraiment pas très fut non plus, quoi. Surtout qu'en plus les deux youtubeurs en question ont vraiment là, ils ont quand même un peu étudié tout ça et on va dire c'est vrai que les deux, il me semble, ont fait du poids lourd et bus, hein, pour l'un des deux, et l'autre qui a fait que poids lourd. Je trouve quand même qu'il y a un peu de l'abus là. Donc voilà, pour moi c'est pas envisageable tout simplement de pouvoir... Je vais pas dire, franchement, c'est vrai que pour certains ça peut sembler assez intéressant de voir un novice, on va dire, faire ouais, c'est chelou, de faire des vidéos comme ça sans rien connaître
par rapport au thème du jeu, c'est vrai que je vous le dis clairement, j'y connais rien au camion. Ça m'empêche pas. Bien, j'y connais rien au camion. On va pas tout à fait dire ça. Parce que c'est vrai que le camion, en gros, c'est pas une passion pour moi. Mais on va dire que je m'y suis mis. En gros, voilà. J'ai vraiment apprécié déjà le premier Euro Truck, hein, franchement. Dit-on-nous franchement. Après, c'est vrai que j'ai testé beaucoup de jeux. J'ai vraiment... le poids lourd est arrivé dans ma vie comme... comme la cerise sur le gâteau, quoi. C'est vraiment arrivé en douceur. Et vraiment, je vois pas pourquoi... c'est vrai que le fait de... Dans certains jeux, il faut connaître un minimum. C'est pour moi une base où vraiment... quand même bien connaître le jeu, on va dire. Parce que Car Mécanique, pour moi, c'est un jeu déjà que moi je connais pas forcément le jeu par cœur, mais je sais que en connaissance de cause, il faut un minimum de connaissances, on va dire, en mécanique pour vas-y, déboîte-moi devant toi, des boîtes comme tu veux. Hein. Bon, donc voilà. C'est vraiment pour moi le minimum. En gros, faut vraiment savoir un minimum où se trouvent les pièces, comment faut les démonter et tout. Parce que quand je vois que pour ces youtubeurs, pour démonter un embrayage, ils démontent la moitié de la voiture. Ouais, c'est joli tout ça, mais bon, comment dire, c'est pas utile. Voilà. Quand moi je faisais des vidéos sur Car Mécanique Simulator, bon, je cherchais pas les pièces parce que je savais où elles étaient automatiquement, vu que sinon je serais pas vraiment un bon mécano. Et puis aussi c'est vrai que j'avais déjà joué un peu avant, parce que certains trucs qui sont pas forcément évidents non plus. Après, en gros, au début du jeu, si t'as jamais joué à ce jeu, tu comprends pas tout ce qui se passe dedans. Et c'est vraiment ça qui peut dire un peu attristé, on va dire, parce que tu sais pas ce qu'il faut faire, tu sais pas comment faut le faire, et c'est vrai que c'est un peu dommage, mais c'est vrai que je trouve quand même ce jeu abordable. Même un gros noob, quelqu'un qui connaît rien du tout en mécanique, peut s'en sortir assez aisément et arriver à procurer un contenu un peu noobesque, mais un contenu quand même qui puisse être tolérable. Parce que les deux youtubeurs en question, en gros, sont pas bons du tout. Parce que pour démonter un embrayage, on n'a pas besoin de démonter les plaquettes de brin. Je trouve ça complètement inutile. Mais bon, je tolère, vous tolère. Je vous dis clairement, moi j'en ai rien à battre. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Bien, bon, dans la limite du raisonnable quand même, mais c'est vrai que je me marre bien quand je vois ça. J'ai fait, mais non, fais pas ça, faut faire autrement. Voilà. Un peu dans ce style-là, quoi. Un peu dans ce style-là et arriver à avoir, voilà, des contenus d'assez bonne qualité, de pouvoir raisonner. Voilà, il y a des trucs quand même pour assez... la pompe à eau, voilà, machin, voilà. Bon. Après, c'est vrai qu'il y a certaines petites choses qui sont un peu... Christ. Mais bon. Moi franchement, Car Mécanique Simulator, bon, je me suis bien marré quand j'ai vu la vidéo, ça m'a un peu énervé aussi, parce que franchement je m'énervais devant la vidéo, je disais faut faire comme ça et tout. Et puis ouais, c'est vrai que quand je vois qu'il y en a un qui démonte la moitié de la voiture pour démonter une pièce bien précise, bon bah je crois qu'on va s'arrêter là en fait. Voilà, on va s'arrêter là et on reprendra tout de suite. Donc, pour moi ce sera tout de suite, mais pour vous ce sera le demain. Ou après-demain, ou je sais pas quand, mais avant le 3 janvier, parce que c'est vrai que pour moi le 3 janvier c'est une date essentielle. Donc voilà, c'est vrai que pour moi ce jeu c'est bon, c'est une bonne chose. On va aller se parking, c'est pas français, on va aller se parquer, c'est mieux. On va aller prendre une petite place de parking et faire une petite pause. Et puis on se retrouve d'ici
quelques heures pour vous et quelques minutes pour moi. Donc on va se laisser là, ça fait une courte vidéo, je l'admets. Mais bon, on va dire que courte vidéo, c'est plutôt bon, on va dire. Donc, on va se quitter là-dessus. On va reprendre ça plus tard. Parce que là, franchement, c'est vrai que ça me fait plaisir de faire des vidéos. Ça me remonte un peu le moral, on va dire. Et c'est ce qui me manque un peu au moment, on va dire. Donc, voilà, on va se quitter là-dessus. Et puis, je pense qu'on reprendra... Parce que j'ai vraiment envie de finir cette livraison, de pouvoir arriver à faire cette livraison. Peut-être que je finirai au prochain épisode qui sera un petit peu plus long, on verra bien. Donc on se retrouve au prochain épisode. N'hésitez pas, likez, commentez, abonnez-vous si vous voulez voir tout le contenu comme ça ou plus réaliste, parce que prochainement j'ai des idées en tête qui ont envie de sortir. Donc n'hésitez pas à me laisser un commentaire aussi pour me dire des petits trucs. Donc, je vous dis à la prochaine. Ciao !